Ils sont Awalititi, Joseph Zinsou, Justin Maoutondi et Suzanne Koundé dans le box des nouveaux retraités de la Loterie Nationale du Bénin. Ces cadres qui font valoir leur droit à la retraite ce jeudi 22 mars ont servi à la loterie pendant 37 ans. 37 ans au cours desquels ils ont rendu de bons et loyaux services. Le personnel de la Loterie Nationale du Bénin et les parents et amis ont rendu aux récipiendaires un hommage tout élogieux. Vous avez sacrifié respectivement 21, 24, 31 et 37 années de votre vie pour le rayonnement de notre maison commune. Soyez-en remerciés. Grâce à leur concours dévoué, à leur expérience technique, aux bons exemples qu'ils ont donnés à leurs collègues, la Loterie Nationale du Bénin a su se hisser à la place où elle se trouve aujourd'hui. L'un après l'autre, les quatre nouveaux retraités ont reçu chacun en signe de souvenir un diplôme d'honneur, une médaille, une enveloppe financière avec les mots de félicitations du personnel. Instant d'émotion pour les cadres de l'administration. Nous sommes donc fiers d'avoir rendu à notre nation commune de grands et loyaux services. Je dois vous dire mon respect profond et mon admiration pour le travail que vous avez fait avec amour, avec attachement, avec esprit d'abnégation. Le plus grand bonheur, c'est de servir. Vous avez servi et vous serez respecté. Cette cérémonie d'hommage a été couplée de remise des récompenses aux meilleurs vendeurs des produits de la Loterie Nationale. Le premier prix est revenu à Alice Rouanou, qui a réalisé au nom de la société un chiffre d'affaires record de plus de 245 millions de francs CFA.